Salut tout le monde les gars, c'est Nuaï, j'espère que vous allez tous très très bien parce que moi ça va super. On continue aujourd'hui le My Tour avec la team Bahrain Victorious de Peyo Bilbao. Rappelez-vous, le premier épisode où on est passé par le Galibier, la Croix de Fer et Vojani. On avait attaqué dans la Croix de Fer et Peyo Bilbao s'était imposé en patron à Vojani. Et là, on repart pour un col de fou malade, le col du Granon. Est-ce que on va réussir à garder notre maillot jaune? Est-ce qu'on va les gagner ce My Tour? Seulement deux étapes cette fois-ci avec Peyo Bilbao, c'est la grande question. Qu'on se pose tous. Bref, en tout cas, on va voir la forme du jour en espérant avoir une bonne forme. Ça va, c'est correct. Ça nous met plutôt bien. On va se retrouver directement dans le Granon. C'est une montée du Galibier impressionnante puisque nous ne sommes plus que 6. Pogacar, Godu, Egg, Landa, Bilbao et Vingard. On a mis une minute à tous les favoris. Et vous savez quoi? J'ai demandé à Mikel Landa de pousser un coup encore dans ce dernier kilomètre. On va s'accrocher à sa roumée là. On est là pour taper sur leur nuque. On est là pour leur faire mal, leur faire exploser, les faire craquer. On est en jaune avec Peyo Bilbao. On ne veut pas défendre. On veut le conforter notre maillot. On n'est plus que 5, ça y est, il n'y a plus Jack Egg. Et ce dernier kilomètre de ce Galibier s'annonce fameux. Est-ce que l'un des trois va craquer? Godu, Vingegaard et Pogacar. Eh, Peyo Bilbao là qui est sur un matelas aujourd'hui, j'ai l'impression. Il a la chance d'avoir encore Mikel Landa Maena. Qui a couru à la Sky aussi. Et il faisait des trains comme ça pour Chris Froome. Là maintenant il est fait pour Peyo Bilbao. Et voilà, c'est fini pour Godu. On est 4. On est 2. On est 2. Pogacar et Vingegaard qui craquent. Ça y est, c'est terminé. Coup de maître. Oh là là, on va se retrouver directement pour le col du Granon. Avec Peyo Bilbao. Un petit peu plus de 4 bornes du sommet du col du Granon. On a toujours notre équipier Mikel Landa Maena qui est en train de rouler. On a été repris par Carapaz, Mas, Godu, Vingegaard et Pogacar. Par contre, je ne garantis pas leur état de forme. Hein. Clairement. Nous on va essayer de se mettre dans la roue de Mikel Landa et on va lui demander clairement d'accélérer comme un taré. Et après on va attaquer avec Peyo Bilbao. Hein. Ah mais Mikel Landa, on pourra lui tirer notre chapeau parce qu'il a été excellent. J'ai l'impression que ça craque derrière, ouais. Ça cède un peu sous la pression là. Carapaz, Mas. Et ça c'est fini pour Mikel Landa. Ah Mikel Landa, il va tranquillement s'arrêter. Non, attendez. Voilà, il va s'arrêter. S'accrocher sans limite, on va lui dire. Et Peyo Bilbao. Peyo Bilbao qui accélère. Et là ça va paniquer parce que personne ne veut trop rouler à la poursuite du maillot jaune. Peyo Bilbao. Et voilà Pogacar et Vingegaard qui sont sortis dans le groupe Godu. Ça commence à être à stresser un peu parce que personne ne sait trop comment réagir. Peyo Bilbao trop fort sur ce tour. Quoique Pogacar qui revient fort hein. Mais on leur a déjà mis suffisamment d'avance hier pour ne pas la perdre. Et vous savez quoi, moi je vais pas rouler. Écoutez, j'ai Mikel Landa derrière. J'ai Mikel Landa derrière, messieurs, dames. Donc, quoique, j'ai l'impression qu'ils sont cuits, la Pogacar et Vingegaard. J'ai l'impression qu'ils sont cuits. C'est peut-être qu'une mauvaise impression. Mais là, j'ai l'impression que ça commence à être dur pour eux. Oh là, bah, j'ai failli aller dans le décor. Allez, on va refaire le coup de 2022. Sauf que la Peyo Bilbao va faire craquer Pogacar et Vingegaard. Alors qu'en 2022, c'était Vingegaard qui a fait craquer seulement Pogacar. Nous, on va faire craquer les deux. Et on en replace une avec Peyo Bilbao. Allez, Pogacar qui lâche pas, hein. Pogacar qui lâche pas le morceau. Il a faim, Pogacar, il a faim. Allez, les deux sont un peu en difficulté. Peyo Bilbao n'arrive pas à creuser. Mais il est fort, Peyo Bilbao, il est fort. Il est très très fort. Ouais, 7 secondes seulement. 7 secondes, on va pas se relever. C'est une connerie de se relever. Là maintenant, faut regarder tout droit, ne plus regarder derrière. Est-ce qu'il y en a un des deux qui va totalement exploser? Je pense pas, mais là on en a peut-être un peu trop fait là, avec Peyo Bilbao. Sachant que Pogacar et Vingegaard n'ont pas abdiqué, pardon. Ouais, j'ai l'impression que Vingegaard en a gardé un petit peu sous la pédale. On va essayer de ne pas craquer. Il nous reste 400 mètres à faire avec Peyo Bilbao. C'est tendu. C'est tendu. On se fait reprendre par le groupe Pogacar-Vingegaard. Oh là là là, c'est terrible. On va pas aller chercher notre victoire. Allez, on donne tout avec Peyo Bilbao pour en terminer fort. Sur la ligne, est-ce qu'on va réussir à battre Pogacar? Je crois que oui. Je crois qu'on réussit à battre Pogacar, mais quelle étape folle! On a tout fait péter dans le Galibier, on fait tout péter dans le Granon, et la victoire se joue sur un bout de pneu, vraiment, ça joue sur un bout de pneu, je vous jure. Mais wesh, terrible, il y a eu l'abandon de Woodpulse, mais ouais, oh là là, je sais pas, ça se joue à rien, je peux vous le garantir que ça se joue à rien. Peyo Bilbao est exceptionnel, il ne reprendra pas de temps sur les favoris. Enfin, sur les favoris, quand je dis les favoris, c'est j'entends bien sûr Pogacar et Vingegaard. Mais ouais, ça se joue à rien. Ça se joue sur un boyau. Et Bahaus va être donc hors délai, malheureusement.
Mais en tout cas, on va regarder le ralenti. Parce que là, on en a beaucoup trop fait dans ce col du Granon avec Peyo Bilbao. Mais cette fin d'étape est folle avec Pogacar qui réussit à mettre quelques mètres à tout le monde. Et Peyo Bilbao qui accélère fort. Et après, est-ce qu'on réussit à aller prendre la victoire? Ah, c'est pas sûr, hein. Ouais, si, on la prend cette victoire. On la prend. Ah, ça se joue sur une demi-roue, hein, même pas. Et par contre, Vingegaard, il va prendre un écart. Vingegaard, il va prendre un écart. Mais quelle étape folle! Quelle étape! Ah, vraiment, c'était exceptionnel. Donc, le classement général sera logiquement pour Peyo Bilbao, par point Bilbao, grimpeur Bilbao, meilleur jeune Pogacar. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, les gars. C'est Nioi. Ciao, ciao! Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous parler d'Instant Gaming. Instant Gaming, c'est un site de vente de jeux en ligne où vous pouvez trouver tous vos jeux favoris jusqu'à moins 80%. Cliquez sur le lien dans ma description pour pouvoir aller les acheter. Et quand vous passez par mon lien, Instant Gaming me reverse 3%. Donc, je vous remercie pour vos achats. Bref, Peyo Bilbao a été exceptionnel. 40 secondes sur Pogacar et 1 minute sur Vingegaard. Bref, j'espère que ce My Tour vous aura plu. C'était Nioi, les gars. Ciao, ciao!